Bonsoir à tous, oui, ce que vous venez de voir, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Non pas le stream d'Azriel qui était magnifique, mais je suis à l'heure, à la seconde, près. Horloge, tout ce que tu veux, tu prends une montre suisse, une Rolex, je m'en fous. Je suis à l'heure, il est 21h00, peut-être pas tant 21h01, parce que bon, pas forcément, on n'a pas tous la même... Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir sur Nvidia France pour une découverte en live, une véritable découverte puisque c'est un jeu qui est sorti aujourd'hui, exactement à 19h30 aujourd'hui. Donc je n'ai pas eu le temps de tester, je n'ai pas eu le temps de jouer, ni rien. Donc ça est de la pure découverte. C'est un jeu qui a fait sensation lors de l'E3 2013, si je dis pas de conneries. Non, 2013, on est en 2016. 2014, 2015, toute l'année de 2015 on a été teasé. Il est sorti maintenant, ça s'appelle Firewatch. C'est de l'indé, je crois. Hein. Je crois que c'est de l'indé, à vérifier peut-être, parce que oui c'est de l'indé, c'est un nouveau studio, c'est des russes. On va jouer le rôle d'un bûcheron, garde forestier, mec qui est là dans les bois, on sait pas trop pourquoi. On sait pas ce qui se passe. Il faut le savoir une première chose, ce jeu est en vente sur Steam, la durée de vie est très courte. Voilà, vous le savez, c'est un jeu à scénario, oui, je sais pas, on verra. Alors il y aura les sous-titres, c'est en anglais ou en russe, donc j'ai hésité. À un moment donné, je me suis dit on va peut-être le mettre en russe, et en fait non, je me suis dit qu'en anglais ça allait être mieux. Donc c'est en anglais, sous-titré anglais. J'ai un anglais, puisque j'ai quand même passé des années aux États-Unis il y a quelques temps, ne serait-ce que cet après-midi. Donc j'ai un anglais d'un niveau comme ça, hein. S'il y a du pchit, non. Alors par contre, on pchit pas, les gars. Non, on pchit pas. On n'est pas là pour pchiter, ok. C'est interdit là. Non, on garde ça. Arrêtez, sinon je rebranche le volant. Arrêtez, d'accord. Donc ça va être en anglais, sous-titré anglais. Alors bien sûr, je vais essayer de vous traduire avec ma traduction à moi. Bien sûr, ça ne sera pas forcément la traduction exacte, parce que je ne suis pas bilingue, hein, bien sûr, c'est bien connu. Et si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me corriger, hein, ou si je pars dans une mauvaise direction, n'hésitez pas à m'engueuler. Enfin, ça, vous le faites tout le temps, donc il n'y a pas de problème, ça, vous allez le faire, de toute façon. Bonsoir tout le monde, bonsoir Cap, bonsoir Quentin, 56 000, bonsoir Fromix Gaming, bonsoir Kalash, bonsoir Gravation, bonsoir Asnaman, bonsoir Bambouboy, bonsoir Tristan, bonsoir Dovaris, bonsoir Biloud, bonsoir Titom, bonsoir l'ami cool belge, bonsoir Jazz, bonsoir Wooz, bonsoir Souplech, bonsoir Zombie Juggler, bonsoir un autre Quentin, bonsoir Animstation, bonsoir Aigle Royal, bonsoir Gran, bonsoir Xenon, bonsoir Hogan, bonsoir Defaz, bonsoir Big Faust, bonsoir Dragon, bonsoir Zoran, bonsoir Timous, bonsoir Dark Adrift, bonsoir Mickey Sant, bonsoir Smic. Ok, Smic Art, oh, c'est la classe. Bonsoir lui, bonsoir Henri, bonsoir Arco, bonsoir Monsieur Vince, bonsoir Serge Karamazov, bonsoir Biokis, bonsoir Moni, bonsoir Petit Biscuit, bonsoir Fraliox, bonsoir, je vais lire les petits messages, etc. Enfin, faudra les remettre parce que là, je les aurais pas lu. Bonsoir Double Action, bonsoir Mario, Marior, bonsoir Anto, bonsoir Mister Singe, bonsoir Elmer, bonsoir Nico Fort, bonsoir Hans, bonsoir Straight Pop, bonsoir Strelog, bonsoir, qui c'est que j'ai pas vu, bonsoir Koi, bonsoir Yator, bonsoir Walden, bonsoir Nito, bonsoir Skull dans le garde, bonsoir, je t'ai déjà lu toi, bonsoir Ben, bonsoir à tous, on va lancer le jeu directement. Bonsoir Madame Kamak, t'y es pas. Nvidia France. Hein. Ah, bonsoir Madame Kamak, ah ouais, mais t'as dit, ah ouais, t'es là, ouais, ok, c'est bon, ok, c'est bon. Ouais. Enfin, 21h03, enfin, je dis ça, je dis rien, voilà. Enfin bon, tu m'as compris. Alors, l'ambiance du jeu, que vous n'avez pas. Bien sûr, parce que je n'ai pas allumé le truc. Voilà, l'ambiance du jeu, ça va être du vent. Voilà. Donc c'est un jeu basé... Merci pour les follow, Zicom. Bienvenue sur la chaîne Nvidia France. C'est un jeu qui va être basé sur... Non, je dis de la merde. Je n'en sais rien. On va découvrir. Voilà, Humpty, vous voyez que j'ai rien fait. C'est de la pure découverte. Attention, je vais me fermer ma gueule pendant les cinématiques, s'il y a cinématiques. Et après, je vous expliquerai si j'ai compris. Si j'ai pas compris, tant pis, on y va YOLO. Hein. Voilà. Je vous laisse la... Ah, je vous mets la cinématique. Ah, je suis comme ça. Moi, je suis royal, putain. Yussi Julia. Ah ok, faut que je clique.
Ah non. Vous avez vu Julia. Elle a à peu près ton âge. La vingtaine. Elle rigole. Ok, c'est tout ce que j'ai compris. Toi, t'es Henri. You are drinking out the... Ah, t'as trop bu. T'es pompette. Mais l'autre, elle est bonne. L'autre, elle est bonne. Voilà. Tu vas comme ça. Ok. You are drunk. Ah, faut choisir. Alors, je suis bourré. Donc, c'est... Alors, voilà. Donc, j'approche la gonzesse. Et là, je lui dis, what are you know, major? Ou alors, je lui dis, you're pretty. Voilà, donc j'ai choisi, moi j'aime l'amour, donc je lui dis qu'elle est belle. Tu es belle. You're pretty, she say, coolie. C'est foutu ta gueule. You are not, you are a further girlfriend. Oh, putain, j'y comprends rien. Bon, t'es moche, en gros, t'es moche. What? You reply, confused. Quoi? T'as répondu un peu gêné? Someone should buy you a cheeseburger. Ok, quelqu'un devrait te offrir un burger. She flags down and went down. Ok, on l'a pécho sur une phrase, les gars. Comme ça, mais comme ça. Le mec bourré, you're pretty. Paf, t'as pécho la gonzesse. Ok, on a chopé Jean-Lier. Ah, c'est bon. Gonzesse. Hop là, voilà. L'anglais et moi, ça fait. Ah, mais là, franchement, on va se marrer avec l'anglais, attention. Donc voilà, le jeu commence maintenant. Je suis avec Julia. Je regarde si j'ai mon pantalon attaché, on sait jamais quand même. C'est hyper important dans les jeux. Hein. Voilà, sortez Google Trad, les gars. Sortez Google Trad. Ok, on peut prendre le sac à dos. Ok, très bien. Donc on a pris un sac à dos. Ok, l'ascenseur se. Ok, très bien. Oh, ok, on sort sur un parking. Bon, je suppose que c'est ma voiture. Hein? Parce que bon, je pense que. Ouais, c'est ma voiture. Ouais, c'est ma voiture. Ok, c'est ma voiture. Yo, mec. Ah bah oui, on met le sac à dos derrière, bien sûr. Faut toujours vérifier sa baguette, toujours, toujours, surtout quand tu sors d'un ascenseur. You date forever. On s'est fréquenté pendant à peu près une année. She drive absolutely nuts. She's great. Ok, c'est pour elle, elle conduit comme une tarée, je crois. On a emménagé, on a partagé un appartement près de l'école avec une vue sur la montagne. Et deux bières ont été bu sur le bureau. Alors je sais pas si on les a bu l'un sur l'autre ou si juste on a bu les bières et on les a posées sur moi. On a bu une bière, just about anywhere. La vie est cool, on est super heureux. C'est l'amour putain, c'est l'amour. Yo the fifou, salut double raptor. Et puis Julia elle a voulu... Ah putain faut que je vous le fasse comme ça. Et puis je vais vous faire tout comme ça jusqu'à qu'on finisse l'intro. Et puis Julia elle a voulu un chien. La salope. Zero Scruffy. Bon, elle a chopé un chien, un bègle. Un chien bègle. Tu connais le bègle? C'est une race de chien. Voilà, c'est le bègle. Voilà. Elle voulait le prendre avec elle à l'école, dans les classes. Mais elle était so. Nothing but. Oh putain, elle nous fait chier. You pick the. Alors, tu prends ton chien et tu l'appelles Bucket. Ou t'adoptes. Ah, ok, d'accord. En fait, elle a deux choix. Soit on adopte, soit on prend le chien bagel. La bagel. Le... Voilà, soit on prend le bagel, au choix. Donc le choix. Vas-y, on prend bagel. Nous, on prend bagel. Ah, on est content. Putain, on a bagel. Il s'appelle Bucket. Bucket, c'est un bon chien. Et on a complètement. À quoi? And a week later, you have totally forget about this other one. Ok, en gros, c'est l'amour fou. Julia, elle l'adore lui. Moi aussi je l'aime. On s'aime tous en fait. En fait c'est l'amour comme ça putain. C'est l'amour comme... Putain c'est beau l'amour. Est-ce qu'on boit à un moment donné? En 1979, merci pour ton follow Zanko. You talk about the next summer, ok. Ok on s'est levé. À 9h30 du soir. À 9h30 du soir putain mais on est en retard. My Taylor is rich. My Taylor is rich. Where is Brian? Where is Brian? Brian's in the kitchen. Putain. Bien sûr. What do you think about kids? She asked. Ah bah ça c'est le début des emmerdes mec. Alors ça quand elle commence à te dire qu'est-ce que tu penses des enfants? Attention. Attention, 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 attention. Attention. Là mon gars, tu peux commencer à sortir les cartons. OK, prépare le carton rouge parce que c'est là qui justement la brigade faut qu'elle soit bien tenue hein. Donc elle veut parler. Bon bah voilà, à un moment donné voilà, bon ça fait un moment qu'on date Bon bah elle veut des gamins quoi, elle veut des gamins. Voilà. Des enfants? Que te dire? Là on répond. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ou un jour. Pourquoi se presser? Voilà. Bon, mes oreilles saignent.
Bah, c'est mon anglais. Ah oui, d'accord, ok, ça marche. C'est mon anglais, c'est mon anglais qui la perturbe. Alors, du coup, voilà. Pourquoi ce rocher? Bon, bah, je vais lui mettre, je vais lui dire. Je vais lui dire, je vais lui dire. Ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, on peut se dire qu'à un moment donné, des enfants, ça peut être cool. Ouais, d'accord. Ouais, pourquoi pas, ouais. Bah, dans ce cas-là, faudrait qu'on se marie. Oh putain, l'emmerde. Oh là là. Ok, bon, du coup, faut qu'on se marie pour avoir des enfants. Etc, etc. Enfin, vous avez compris de... En fait, c'est l'histoire de Kavak et Madame Kavak. Non, parce que nous, on n'est pas mariés. C'est important. Donc, you say she absolutely... Ouais, elle a tout à fait raison. Il faut... Ouais, bah oui. Là, t'es baisé. Là, t'es parti sur le chemin. Ou de toute façon, voilà. T'as commencé à... Bon, bah là, du coup, tu t'es barré en forêt. Voilà. Tu t'es barré en forêt. Et tu t'es dit, la forêt, ça sera mieux sans enfant. Ok. Alors, dans cette forêt, il est interdit d'utiliser des pétards. C'est important. Alors, je vais remettre la cam. Les pétards, la corde au cou. C'est ça, c'est ça. Quand t'as comme... Tu donnes ça. 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 Puis tu finis, ouais, tu finis là. Ah bah, c'est connu. Hein. Ah bah, bien sûr. Alors, pas de pétard, pas de feu d'artifice. D'accord. Attention, ne pas oublier de se check-in. Donc, de dire, attention, je suis là. Dans ce pays... Il y a peut-être des ours. Ah. Ah. Alors moi j'avais pas prévu les ours, donc je vais faire demi-tour puis je vais aller faire des enfants à ma femme. Non, c'est pas possible. Ok, c'est pas possible. Ok, on prend son sac. Ah non, on doit l'avoir sur le dos. La musique est jolie, hein. La musique est jolie. Alors, donc bah, du coup on fait une balade en forêt. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Peut-être pour... Yo, Valivalou. Valivalou. Ah merde. Attendez. Ah merde. En 80. Ah, en fait, ça c'est avant la balade en forêt. En 1980, donc un an après, on va peut-être se marier. Sir Dan. C'est quoi, mardi, mercredi, jeudi? On s'en fout, c'est un jour de la semaine, la suite. Putain, je sais, Monday, Tuesday. Ok, c'est mardi. C'est mardi soir. Et Julia, elle est en retard de. Ça fait 4 heures que tu l'attends. Ça fait 4 heures que t'attends Julia. Ok. Elle a pas appelé, elle a pas appelé. T'es inquiet. Et tu commences à vraiment t'énerver. Minute par minute. Voilà. She walking after and. Elle est arrivée après, elle s'est mise au lit, sans rien dire, comme ça. Elle était pas bourrée, elle était complètement cool, voilà. Du coup, on s'est fighté, mais alors gentiment, tu vois. On s'est fatiguement. Enfin. Ok, Madame Kabak, c'est énorme. Du coup. Du coup, elle est, voilà. Bah là, faut dire, soit on est fâché, soit on l'ignore. Alors, l'ignorance, c'est pas le meilleur des trucs. Ah bon, l'ignorance, c'est tendu, quoi. On va dire qu'on l'ignore. Voilà, on va dire qu'il ignore. Et, you don't... Ok, donc en gros, voilà. En gros, je sais pas trop. Hein. The next day, tu te sens un peu mal. Tu te sens un peu mal et t'as un peu envie de lui demander, quoi, tu vois. Par rapport à hier soir, ce qui s'est passé, quoi. Elle est... She says it was great. Ok, elle est contente. Elle est contente de quoi, on sait pas. On sait pas de quoi elle est contente. Ouais, Madame Kavak, elle s'énerve parce que la petite, en fait, elle fout le bordel. C'est pour ça. Du coup, bon, tu fais du café, tu vas au boulot. Vas-y, c'est bon. Du coup, on va au café, on va au boulot. Et c'est réglé. Ah merde, encore un an plus tard. Putain, la vache. On est toujours avec elle. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, mais bon. Bon, bah, Julia, du coup, elle est. She drawn plants from the church. Bon, bah, du coup, elle a trouvé. Je sais pas ce qu'elle a fait. Bah, elle est. Je sais pas. Elle a dessiné. Elle a dessiné des plans pour ses recherches. Elle est enceinte. Ah merde, elle est enceinte. Ah, j'ai pas lu. Ah d'accord, ok. Eh bah c'est cool. On est content. Non, on n'est pas content. F5 pour ce gars de ta relation perdue. F5. On peut pas. Ça marche pas. Julia, elle chante. Elle est chiante. Ouais. Putain, elle chiante. Du coup, elle veut te dessiner. Alors, you pose and flex like He-Man. Genre. Ou you frolic like Victoria's Secret model. Bon, bah moi, je flex. Voilà, je flex. You look awesome. I know. Bien sûr.
Ok, pendant ce temps-là, le mec continue sa promenade. Voilà. Et Ah, mais faut pas me. Non, mais non, mais. Elle veut faire un choix. Ah, bah, peut-être. Ah, d'accord, elle veut faire un choix. Alt F4. F5. Non, ça marche pas. Elle veut faire un choix, ouais. C'est joli, hein. Elle est belle, la forêt. La forêt est belle. Hein. C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un homme et de Julia. Attention, Too fork, look out. Ok, bon, bah, c'est par là. C'est par là, les gars. Tout va bien se passer, c'est par là. Spacebar. Ah, c'est le tuto. Waouh. Alors, ça, c'est ça. Oh, le soleil m'éblouit, c'est incroyable. Oh putain, 82. Donc en 82, pendant l'été, toi et Julia, on se balade avec. On promène le Klebs la nuit. On est heureux, on est heureux. Il y avait un festival dans la petite ville d'à côté. Et. One of them tried to mug you. What? Attendez. Alors là, il y a des mecs, pas très loin là, et ils tentent. Parce qu'il tente de blesser ma femme avec un couteau. Avec un couteau. Bucket, il a été projeté. Et là, il dit des gros mots. Genre, Bibi, fuck the dog. Voilà, bon, voilà. Elle a crié, c'est elle qui a. Ah, bien, fuck dog. Ok, et bon, voilà. Elle était pas bien. Elle était tout en stress. Comme un homme, voilà, on a confronté l'attaquant. On a commencé à se battre. Et soit on a peur de lui, soit on le tape dans sa gueule. Dans sa gueule. Firewatch est sorti. Ouais, il est sorti aujourd'hui, Avia. Donc du coup, nous, on le défonce. Your arm get oh putain, you beat the guy to the pulp. Ok, bon, on l'a défoncé. And you don't feel very smooth. Ok, you cry your eyes at before. Putain, elle est morte. Julia asked to take. Non, elle est pas morte. Julia asked to take a different path from that day forward. She say, ok, you don't know to get that way either. Quoi? On se quitte là? Non. From then, you. On s'en fout, elle s'est. Putain, on l'a défoncé. Ils auraient pu le faire en français le jeu. Putain, ça va être compliqué. Hein. Ça, c'est la frustration ultime. Bien sûr. Les plans. Ah non, on est toujours ensemble. Non, mais c'est bon, on est toujours ensemble, les gars. Je pense qu'on est toujours ensemble. Par contre, l'histoire d'avoir des gamins, tout ça, c'est mort. C'est mort. Julia, on lui a offert un boulot à Yale, c'est une université dans le Connecticut, à 2000 km d'ici. Et c'est un super boulot, chief associate, ouais, bon, un super taf. Et elle veut y aller. Et moi non, enfin nous non. Du coup on essaye de la convaincre de pas prendre le boulot, ou on est ugly, she commit back, on peut. Ah, ou d'accord, on est ok pour qu'elle fasse les allers-retours. Ah putain, c'est genre soit t'y vas pas, soit tu fais des allers-retours de 2000 km comme voilà. Du coup, on lui dit ok, bah, vas-y, fais les allers-retours quoi. Voilà. Donc on lui a dit de faire les allers-retours et parce que t'as pas envie d'aller dans le Connecticut c'est naze, ça pue le Connecticut. Y a rien dans le Connecticut, y a deux fermes, voilà. elle dit que ça va être trop dur et que elle she don't eat if you want. Elle le fait pas, elle y va pas si on déménage pas quoi. Après en camion c'est stylé le Connecticut, j'avoue, mais là comme ça c'est nul. Donc on lui dit que ok, j'ai pas compris. On lui dit ah, c'est dur hein, c'est de l'anglais compliqué hein. Putain, ils auraient pu. Ouais. J'aurais dû le mettre en russe. Putain. J'aurais pu le mettre en russe, ça aurait été plus facile. Du coup on lui dit. Qu'est-ce qu'on lui dit là? Qu'est-ce qu'on lui dit? She agree, she fly back to Boulder. Alors Boulder, je sais pas où c'est. 3 times each semester. Ok, c'est ça. Elle fait les allers-retours. On dit ok. Elle est d'accord. Elle fait les allers-retours tous les semestres. Ok. Bon, tout se passe bien. Franchement, le couple parfait.
voilà. Ensuite, bon bah là c'est encore un an plus tard. C'est encore super loin. Du coup, Julia sent home from Yale and on paid leave after having an episode. Quoi? Un épisode? Mais moi j'y pompe un mot sur deux, hein. Vraiment, sans déconner. J'y pompe un mot sur deux. Et pourtant j'essaye. Hein. Madame Kamak, je la vois sur le canapé en train de faire des mouvements de tête genre comme ça. Ah ouais, mais moi je suis pas bilingue, putain. C'est bon ça. Viens. Viens. Mets ton plus beau truc, prends une chaise. Viens, parce que c'est l'histoire de Julia quoi. Il y a pas de retour caméra pour l'instant si tu veux. Donc tu te referas le make-up après. Voilà. Donc, bonsoir tout le monde. On est en 85. J'ai donc 2 ans, je marche depuis quelques mois. Voilà, non mais après là c'est Julia en fait. Donc Julia D'accord. en fait... Donc elle était à Yale, ouais, et c'est elle ça. A dû rentrer chez elle, ouais. Parce qu'on l'a congédiée, parce qu'elle a eu un épisode. Un épisode c'est qu'elle a dû craquer ou quelque chose. Elle a des antécédents psychologiques, Julia? Bah elle a un chien. Ouais, donc c'est elle ça. A un chien, elle a un chien, c'est important. Voilà, en fait, elle a perdu son calme contre un collègue qui lui empruntait des livres qui étaient très importants pour ouais, ses recherches. Mais ça, c'est chiant, les collègues qui t'empruntent des livres. Mais par contre, elle se souvenait pas qu'elle lui avait prêté gentiment 2 jours avant. Elle a pété un câble, quoi. Okay. Elle a pété un câble. Bonsoir tout le monde, salut. Ok. Donc là, on la retrouve en train de pleurer dans les escaliers. Ah. Donc toi, tu dis... tu te dis que peut-être que vous devez parler tous les deux à propos de ça, ou alors tu fais des pâtes et tu bois un coup en oubliant tout ça. Du vin, on boit du vin. Moi je dis qu'on va picoler du vin. C'est quand même. Okay. Merci Quentin, bah j'espère parce non, qu'avec bah, 15 ans d'anglais, vaut mieux que je sache parler quand même. Donc après avoir vu plusieurs docteurs et après avoir subi plusieurs tests, ils sont inquiets que Julia souffre. Alors, onset dementia, ça doit être une démence. Onset, je sais pas, onset dementia. Elle a 41 ans. Ça doit être une maladie psychologique un peu. Un truc, ouais, ok. Pour le moment, vous décidez de garder tous les deux secrets. Pas secret. Ok. Là, c'est une phase importante. Là, c'est une phase très importante où, du coup, on lit un livre. Attends, je vais essayer de lire. Je suis sûr qu'il y a moyen. Ah bah voilà, c'est facile. Hey! Ah c'est moi. Ah putain c'était moi. Oh j'étais stylé. Bucket c'est qui? C'est le chien? C'est le chien Bucket. Donc le chien il commence à vieillir. Ah oui, alors Julia elle dit que c'est plutôt sympa parce que du coup il cause moins de problèmes dans la maison. Une semaine après, elle retourne à l'université. La maladie de Julia, 1987, la maladie de Julia empire. Elle ne se souvient pas de choses pendant ses cours. Elle est prof en fait. Ouais, elle est prof. Ouais, elle a eu un boulot à Yale. D'accord. Ses recherches, alors In Shambles, je pense que c'est un peu en décrépitude, quoi, en jachère. Elle conduit jusqu'à la prochaine ville sans raison particulière. Et c'est la police qui la ramène à la maison. Elle est dévastée. Elle retourne à la maison en... Je sais pas comment c'est, permanent medical leave. En français, c'est un congé médical permanent, un congé de santé pour ad vitam aeternam. Parfois... you get the... Ah oui. Donc parfois... You get the Julia who calls you a dope. Dope, c'est quoi, un con, non? En fait, il y a des jours, c'est la Julia qui t'appelle, on va dire ça, le con, par exemple. Vous avez eu des enfants qui n'ont pas... Ah oui, ouais, elle voulait des enfants et t'en voulais pas, d'accord. Et que du coup, les enfants qui sont pas nés, des petits idiots. Et les autres jours, c'est plutôt une étrangère. Elle t'attrape dans le lit pour faire l'amour. Et après 5 minutes, elle commence... Elle ah bah c'est fini, hein. Ah bah c'est fini, 5 minutes, c'est le chrono maximum. À un moment donné, il faut reposer quand même. Elle a une... Elle panique et elle pense que... en pensant que son père est à la porte.
là, tu avoues à sa famille du coup son problème. Ils sont dévastés et ils commencent à. Ah, ils sont australiens. Et ils commencent à faire des allers-retours entre l'Australie et donc chez vous pour lui rendre visite. Pendant un temps, vos amis passent de temps en temps vous voir pour illuminer les journées de Julia, mais sa santé empire. Pardon, oui, je parle pas très fort. 1988. Je vais faire tout le jeu parce que non, j'ai non, d'autres trucs à faire. C'est juste l'intro. Après, une fois que l'intro d'accord, est finie. D'accord, mais tu sais, t'es pas obligé de me gueuler dessus. En vrai, non, je suis juste à côté. Oui, mais moi, je parle fort parce que sinon, ouais. On m'entend pas. Ouais, non, d'accord, ok. tu passes tes journées à suivre Julia dans la maison. Tu comptes les secondes entre les visites de Daniel, qui est son infirmier plutôt. Je pense que Daniel, c'est un homme. C'est des visites bi-hebdomadaires. Il suggère que Julia aille vivre ailleurs, un endroit où elle serait prise en charge 24 heures sur 24, une maison en gros, un institut spécialisé pour les gens qui vont pas bien. Et it sits with you. Alors je pense que tu y réfléchis pendant quelques mois. Alors décision, tu décides de la mettre dans un endroit spécialisé tout le temps, 24/24. Ou tu es déterminé à prendre soin d'elle toi-même. Ouais, j'ai le cœur sur la main, moi. Ouais, j'ai le cœur sur la main, je suis obligé. Ça dure encore longtemps ? Je sais pas. Parce que c'est pas ça, mais j'ai Rodrigo qui m'attend sur le canapé. Viens, petit chat. Elle est belle, la forêt, hein ? Oui. Belle forêt. Oui, c'est une belle forêt. On aime ça, la forêt. Bah, salut, Jérémy, bonne nuit. Qu'est-ce qu'ils disent dans le chat ? Parlez-moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Il y a un dard là. Salut Dark Pédag. Pégase, pardon. C'est très très dur. Le pire, c'est quand tu t'énerves contre elle lorsqu'elle a essayé de cuisiner. Tu peux rien faire sans elle et elle peut rien faire sans toi. Quand elle finit par s'endormir, tu restes éveillé pendant plusieurs heures. À boire et à regarder le baseball l'été et le basket universitaire l'hiver et aussi en train de boire. Mais me regarde pas en me jugeant. Hein, mais je te regarde pas. Tu bois une goutte d'alcool, t'arrêtes par terre. Arrête. Du coup, tu commences à sortir après une fois l'avoir mise au lit. La première fois, tu t'inquiètes un peu qu'elle se réveille et qu'elle se promène dans le jardin ou chez vous. Donc, soit tu mets une chaise devant sa porte de chambre, ou alors tu penses qu'elle va dormir comme un bébé et qu'elle se réveille pas. Ouais, non, je me suis trompée, Bilou. En fait, j'ai un problème, c'est comme droite et gauche. Je confonds droite et gauche et je confonds prochain et... Non, avant, après, des choses comme ça. Je suis dyslexique, en fait. C'est vrai, en plus. C'est véridique. Pour de vrai. Tu vas toujours au même bar, au bout de Pearl Street, parce que c'est sympa là-bas. Et au bout d'un moment, tu parles à Sheila, la bartender, la meuf qui tient le bar, tout ce qui se passe dans ta vie. Un sacré point en moins. Quand tu retournes chez toi, t'es au lit à 1h du mat. Plusieurs fois par semaine. Et tu attends avec impatience ces soirées-là. Le but du jeu, c'est d'apprendre Kamak à parler anglais. C'est ça. Un soir, tu te fais arrêter un point DUI, je sais pas ce que c'est l'abréviation. Ah, d'accord, c'est un point de... un checkpoint de flic, ouais, qui te... Je pense que you ils blow a ten... Ouais, ils te font souffler dans le ballon et du coup, ils t'envoient en prison. T'essaies de cacher ça, mais... t'en parles, en fait, à ta belle-sœur Suzanne. C'est bizarre comme jeu. Après, les parents de Julia prennent l'avion pour venir chez toi.
ils arrivent pas, enfin ils croient pas à l'état de la maison dans laquelle vous vivez, et ils disent à Julia de venir vivre avec eux en Australie. Et toi, tu dis rien, tu capitules et tu dis que tu leur rendras visite rapidement. Et quelques semaines se passent. L'été, et non l'hiver, merci. L'été est sur le point d'arriver et tu vois une annonce pour un boulot dans un journal. Et tu prends le job. Tu acceptes le job. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est ça. Ok, bonne soirée tout le monde, have fun. Merci Madame Kamak. Attends, je récupère mon métro. Donc, vous avez compris l'histoire maintenant, on a l'histoire, attention. Donc, le mec picole, hein, ça c'est important. Hein. Winter is coming. Et le boulot, c'est boulot garde-champêtre. Garde-champêtre forestier. Voilà. Julien n'est pas là, non. On dit merci à Madame Kamak, bien entendu. Merci Madame Kamak. Dans le chat, ils te disent tous merci. Oh, le début de l'histoire était bien. Hein. Il t'est raconté dans un style particulier, mais il était bien. C'est tout, il faut partir là-dessus. Attends, je fais le tour du propriétaire, histoire de vérifier que... Ok, la bâtisse est bien. Ouais, c'est ça, on est garde champêtre en fait. Garde champêtre, protecteur de l'environnement. Alors, turn on the power. Non, je déconne. Allumer le... Oh. Ok. Hello, Two Forks Tower. Salut la tour machin. Ok, c'est nous ça. Ouais, ok. Où est-ce qu'elle est la radio? Ah, c'est ça. Tango Charlie. Two Forks Tower, this is Thoroughfare Tower. Come in. Ok, c'est l'autre tour. Contactez la radio. Reply. Hold the left shift to... Ah. Ok. Ok, et lâche. Ok. Whoever this is. It's Henry, right? Yeah. Henry, c'est moi. I'm Delilah. Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. Et le gars dit au téléphone. So what's wrong with you? Qu'est-ce qui va pas? Excuse me? Pardon? People take this job to get away from something. So what's wrong? What's wrong with you? Les gens prennent ce boulot parce qu'ils veulent se barrer. That's a great idea. Go ahead. Ils font plein de trucs dans leur vie. I hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. Okay, bon. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Ah, mince, je me suis trompé. Alors là, on lui dit quoi? On lui dit I've killed 3 ex. Ah non, elle a tué 3 ex-maris. Oh, on va dire qu'elle a tué 3 ex-maris. Okay. You've killed 3 husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. On l'a traité de meurtrière. Very good. Elle est d'accord. Bravo, Henry. Okay, I sleep now. Not quite. Ah, elle veut pas now me laisser you... tranquille. Elle veut pas me laisser okay dormir. Good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you, but 9 times out of 10, folks out here simply got dumped. Elle dit qu'on est là parce qu'on s'est fait larguer. Close. Good night. Good night. Welcome to the job. Ok, très bien. Donc en gros, voilà, nous sommes garde champêtre et nous avons un contact radio et une machine à écrire. Ça, c'est important. Henry. C'est important. Well, I guess good afternoon. Bonjour Dalila. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. Ok, il y a un peu de boulot. Desk, so call me when you're ready. Ok, on l'appelle quand on est prêt pour. Ah bah d'accord. Ah bah on est prêt. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Woo. Et ça ne vaut jouer le texte. Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Oui, il y aura une rediff. Oups. Don't worry about it, that hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. Ok, elle va me dire ce qu'il y a à faire dans le boulot. There's a round map on it, do you see it? Alors, voilà, ça je vois, ouais, très bien. Ah putain, je me trompe de touche, hein, désolé. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Okay, c'est le Osborne Firefinder. Firefinder. What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. You don't. Out your west-facing window,
Are you seeing what I'm seeing? Yo. N pour West Window. Ah oui, je confirme. Ah putain, je me trompe de touche. Je confirme. Legal, right? No. Okay. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. OK, il faut que j'aille arrêter les mecs. Arrêter les mecs qui sont en train de faire de like kick the shit out of them sort of straight? No. Jesus, no. What? I'm not a cop. It's not like I've got a rule book over here. Just make sure they don't do it again. Take their shit. All right, fine. Don't feed anyone a knuckle sandwich. OK, donc là départ de feu. Non, c'est pas un départ de feu, c'est un des mecs qui font du pile de rope. 1 2 3 4. Alors M pour la map. OK, on est là. OK, attendez. OK, c'est stylé la map. OK, vas-y, go. Ah, il court pas le mec. Ça marche pas mal. Ah, il faut un barbuck. Ah, il faut un barbuck, les gars. Ah, tu veux pas accélérer? Genre, t'es à fond là. OK, le mec est à fond. Hein. Le mec est à fond. Hein. Putain. Spacebar. Ah oui, mais je peux pas spacebar si j'ai tout ça dans les mains. C'est ça? OK. OK, je pense qu'on prend. Mauvaise direction. Tu déconnes. Non, je suis sur la bonne direction, je vais à la cache 306. Cache 306, ça m'a dit. Erkamak. Ah, merci. Ah, merci. C'est ça? Yes, c'est ça. 1. 2. OK, ça c'est pas 2. Ça c'est pas 2. Reviens en arrière. 2, 3, 4. Alors, rando simulateur. Ah là, c'est le vrai rando simulateur. OK, on a chopé la corde. Alors, il faut... OK, on va prendre ça. Ouais, et alors? OK, très bien. Non, laisse la map. Je peux mettre un petit coup de stylo? Map update, OK. Alors attendez, faut que je retrouve le truc. Ah putain, c'est vraiment Rando Simulator, attends. On va dire que c'est par là. Hein. Là, il n'y a pas de contact radio, c'est bon. Je cherche le truc. Yo Zitlix, comment tu vas? T'es déjà perdu, putain, mais grave. En coup... Putain, le garde champêtre perdu dans sa forêt, quoi. Ça doit être par là, hein. Je me rapproche. Je me rapproche, hein. C'est quoi le but du jeu, Bonox? On sait pas, c'est une aventure, on sait pas. Le but du jeu, y a pas de but. Une aventure. Et une histoire. Ah, putain, vous voyez que... OK, et alors, on peut pas y aller? This shale slide is steep. How do you expect me to get down this? I don't remember it being that bad. It's not even named. OK, donc là, en gros, je peux passer... Attends. Ah putain, faut que j'arrête d'appuyer sur tab. It should be called Cripple Gulch, just east of on parle gentiment. Oh, je sais pas, Darky, un truc flippant. It's actually English for not in my job description. OK, là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, je peux pas y aller, c'est ça? OK, j'ai rajouté un petit truc sur la carte. Mais là t'es sérieux là, je peux pas y aller? Je peux pas utiliser ma corde? Notes et documents.
Note tes documents. How do you expect me to get down this? Well, did you get that rope? Yeah, I got it. Okay, just lash it to something nearby and take it slow. Là je peux l'accrocher. Ok. Ok. Bon, facile. Facile, hein. Quand tu joues tout le temps à Rainbow Six, ça c'est hyper facile, hein. La corde. Ok. Bon bah la corde. Et j'étais trop gros pour la corde. Merci du follow. Bienvenue sur la chaîne NBA France Atheron. Atheron. Je ne sais pas. Merci à toi, bienvenue. Ok. Report. Alors faut que je dise que je me suis fait mal. Hey. What the hell's wrong with you? Crippled Gulch got me. What exactly happened? My rope snapped coming down the shale slide. Think you'll have to pee in a bag for the rest of your life? No, I think I'll make it. Par contre, be careful for Christ's sake. Ok, bon. Par contre, là, il y a plus de pétards là. Ils sont les pétards. Il y a plus de pétards. Ok, les canettes de bière. De la Red Eagle. Putain, c'est la bière de Dédé, ça. Ok, j'en ai mis une dans la poche, on sait jamais. Hein. Du coup. Je lui dis ce que j'ai trouvé. Les idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. Ok, très bien. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. Dégueulasse comme bière. Tiens, bah, il est dit aussi. Shitting beer, tu vois. C'est de la merde. No, I do. But then again, de la grosse merde. I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. Ah, attendez, il y a un feu là-bas. Il y a des sacs et tout. Oh, look, they decided to have a campfire, too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Probably don't need this in my life right now. Et il y a des sacs. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Mais ils sont en train de faire la teuf en fait. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Ça, why, 18. Je vais pas faire vous le dire de suite, hein. There's a. Oh. Yes. There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies, same as anyone, but there's, you know. What is that guy doing over there? Is he skeezing? Hey, non, guy, non. Are you skeezing? Non, get en fait, je travaille. You gotta take it easy with the fireworks, all right? You ought to take it easy at the Sizzler buffet. Bah bon, j'aurais dit d'y aller tranquille avec les. Ok, elles ont pas l'air contentes. J'aurais dit d'y aller mollo avec les pétards, bon. Why do you guys think it's all right to just stare at girls? I left all your stuff back there. What? You were messing with our packs? What? Gross. C'est pas de ma faute. I didn't. What the hell were you looking for? Panties? No. Ew. Can we just get out of here? Ew, totally. They are drunk. Ouais, mais je peux rien faire. You're just some sad man out in the woods. Ok, bon, je pense qu'elles vont rentrer à la maison. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, elles rentrent à la maison. Hein.
Ouais, c'est bon, j'ai géré. It went fine. Oh, c'est vite. Non, je pouvais pas zoomer, les gars. Non, non, je pouvais pas. C'est pas possible. J'ai pas honte. C'est mon travail. Je suis garde forestier. Voilà. C'est mon boulot, quoi. Je dois faire avec ça. Bien entendu. Hein? Et voilà. Vous vous doutez bien. C'est pas avec plaisir que je fais ça. Alors là, il faut rentrer maintenant. Madame Kirik est pas là. Madame Kirik est pas là, ce que je vois. Mais si elle est là, en plus, elle est juste là. Elle regarde le live, je pense. Report ou quoi? Wow, there's a big rock outcropping down here near the lake. It's really something. Yeah, makes for good camping. There used to be a group of guys who would boulder out there a couple times a year. What happened to them? Dunno. Just stopped coming out. Ok, je lui dis ce que je vois en fait. Hein. Je décris vite fait. Par contre, Choupette, comment je monte là? Parce que la corde, je l'ai plus, on est bien d'accord. Ah? Ah si, j'aurais pu zoomer un petit peu, tu vois, j'aurais pu faire ça. Je l'ai pas fait, hein. Je l'ai pas fait parce que je respecte quand même, hein. Ah non, je respecte quand même. Ton objectif est derrière, mais j'ai pas d'objectif, c'est ça le truc. Find the way back. Ouais, faut juste que je retrouve un moyen de retourner là-bas, quoi. À Two Forks Lookout. Putain, le garde forestier qui est perdu, quoi. T'es perdu de demander à une équipe de secours de venir te chercher. Ah, là. Ah, là, 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 là. Ah oui, mais j'ai plus de cordes, moi. Ah, putain, d'un coup, je peux pas y aller. Oh, la nuit tombe. La nuit tombe, c'est la merde. Moi, j'appuie sur Shift pour... Je peux pas changer le truc, là. Parce que je vous avouerai que Shift pour la radio, c'est pénible. Ouais, genre ça, quoi. Alors, attendez, je vais mettre ça. Ouais, j'ai compris, c'est bon. Tac, voilà. Shift. Il est où, le Shift? Oh non, t'es sérieux? Je peux pas changer la radio? Ah, voilà. R, et là... Ah non, me fais pas ça. Ah, il veut pas que je mette Shift. Ok. Vas-y, garde ton Shift là. Ah, mais tu veux pas Shift? Ok, révélation des touches, tout va bien. Arrête d'appuyer sur Shift. Oh non, are you fucking serious? Ok, reset tout machin. Ok, bon bah on aura pas Shift, les gars. Non. Ah, mais je suis con. Attends, tac, 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 et voilà, c'est réglé, hop là. Pas du tout. Là, c'est réglé. Bon bah c'est toujours Shift, tant pis. Hein. Faut suivre le tracé en rouge. Il y aura un replay, ouais, il y aura un replay de ça. Le tracé en rouge. Mais le tracé en rouge, il passe par le bousin, là. Oh putain, ils m'ont déjà piégé, hein. Ils m'ont déjà piégé, les cons, hein. Yo, j'ai pas de co. Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Alors, west, back to the lake. Ok, attends, back to the lake, west. Putain. Ça va être de la vraie rando, là. Là, ça va être de la vraie rando, hein. Yo, team Scalifa. Ok, on retourne à la musique. Alors, back to the lake. Ok. Ouais, bon, là, on discute avec la nénette. Bah, c'est foutu de ma gueule, là, ou quoi? Back to the... Attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Find the way... Ah putain, elle pourrait me laisser l'information, hein. Putain, je suis pas un putain de spéléologue, moi. Et là, ça passe, là, ou pas? Ah, là-dessus. Ok.
Attends, y'a peut-être moyen là. Y'a peut-être moyen. Ça va le faire. Back to the future. Ok. Ok, pour l'instant tout va bien. À un moment donné, ça va sentir mauvais, mais. Le canyon. Bah là, je suis dans le canyon là. Y a pas plus canyon là. Ah, c'est canyonneux là. Ah non, mais yo, Mr. Turner, comment tu vas? Elle a une confession à faire. Oulala. Vas-y, c'est quoi? Elle était bourrée la dernière fois, hier, yeah, quand on nous a accueillis. First boss to be guilty of that. I know, ouais. I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about. Ouais, c'est pas grave. C'est un jeu d'exploration. C'est une histoire en fait. It's fine. Donc là, on lui dit que c'est pas grave, on s'en fout. Elle dit, oh, excuse-moi, j'étais un petit peu bourré, machin. Ouais, bah. Anyway, ouais, bah, dis-moi surtout comment est-ce que. Oh là là, je vais passer là-dedans là. Sans. Ah ouais, faut rentrer là. Il faut rentrer là. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad. Right? C'est pas cool là, yo petit poney. It just means we'll be elle busy. A dit. Non, elle a pas dit ça. Ah non, elle a pas dit ça. C'est pas possible. I get it back. Bon. Ok, j'ai pas eu le temps de répondre. Ça c'est une cage, j'ai pas le code. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people. Ah, excusez-moi, j'ai un problème de touche là, ça a pas marché. Ma technique à deux balles n'a pas marché du tout. Mais alors pas du tout du tout. Voyons voir. Ah oui, Straff, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et donc il y a un truc, ça doit être. Ah, il y a un quick save F5 les gars. Ah, on est bien. Bah là, s'il y a un quick save F5, on est bien. Ok. Donc elle dit faut pas y aller, c'est super dangereux. Ah, c'est 1, 2, 3 partout. Ah, ok. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Attends, je vais tester. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Ah ouais, t'inquiète. Ah oui, c'est un 2-3. Oh, c'est facile comme code. It doesn't seem that dangerous. Whoa, whoa. Ah no! Oh putain. Henry! Seriously, it's completely fine in here. God damn it. Le Tokiwoki fait pshht. Pour que je trouve comment, bah le truc c'est que. Ok, super, une lampe qui marche pas. Ok, une lampe qui marche. Et une corne. Yeah, I get the sense that not everything in here is useful. In the boxes? Why's that? I don't really know what I'll do with a deer horn. Firstly, they're called antlers. And secondly, stay out here long enough and you'll get creative. Ok, je recopie la map. Ok, vite fait, et je ferme. Ouais, y'a peut-être moyen. Donc là, Cytek Gaming, comment tu vas? Hello. Je peux allumer la lumière ou pas? It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in, they never come out. Ok, elle se fout de ma gueule, bien entendu. Donc là, on lui dit. Spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so. Non, ça pue pas. Non. Ah damn. Enfin, bon, yeah, l'objet. Ah, c'est compliqué de remettre l'objet dans une boîte. Attends, quand même. This one's so close to home and convenient, though. Bon, là, elle nous dit qu'en gros, il faut demander la clé à l'office, machin, c'est pour que les gens aillent pas là-bas, etc., etc. Ok, c'est fermé. On essaye. Ok, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut monter? Et la lumière, comment elle s'allume? Bon. Il y a moyen qu'on soit sur le bon chemin, là. Yo, Flavien. Il y a un monstre...
There's some guy out here. Some guy? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Il y a un truc dehors, ok. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. De la folie. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Ok, bon, pour l'instant ça fait rire, mais moi je crois que ça va pas nous faire rire longtemps. Y a un monstre, tout ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Mais il y a peut-être quelque chose, oui. Il y a peut-être quelque chose dans cette forêt. Il y a peut-être quelque chose. Attends, on va faire un... Eh, on est presque de retour. Là, faut choisir son chemin, là. On va passer par là. On va passer par là. Ça va, Flavien, et toi? Et Bigfoot en face. Il avait pas trop l'air d'un Bigfoot, hein. La cabane. Oh non, ma cabane, non. Ma cabane s'est pas fait cambrioler. Non, non. Non, 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 non. Non, non, non. Je vais fermer la clé avant de partir. No, no, pas une no game. Ça va, et toi? Allez, monte. Monte, monte, Bobby. Ça va le faire. Je crois que j'ai pris une petite canette de bière dans ma poche, hein. On pourra se l'ouvrir tout à l'heure. Ok, il pleut toujours pas, ça c'est déjà un très très bon point. Par contre, je suis un très très bon escaladeur, monteur, grimpeur, escaladeur, on s'en fout. Genre tueur ou monstre dans la forêt. Bah clairement oui, clairement ça pue, hein. Clairement la forêt pue, hein. Soyons clairs. Ok, attendez, il y a un panneau. Ah, qui dit que la truc est fermée en fait. Ok, je suis tombé, tout va bien. Ah, damn it. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the black path. Voilà, on lui dit qu'on a pété le panneau. Backbreaking, but you know, anything for the service. Eh ben voilà. Well, thank you. Anytime. Ah. Oh. You know, I don't think there's any fictional character I hate more than Forrest Burns. Henry, as an employee of the Forest Service, that is treason. Yeah, well, he really freaked me out as a kid. Bon, bah, du coup. Me to spend the bulk of my 30s keeping the wilderness safe. Ah, c'est des chiottes. A shrink would have a field day with you. Ok. Non, je vais pas lui demander ce que c'est. Ok, ça c'est mon générateur. Ok, très bien. On a retrouvé la maison, les gars. Tu escalades pareil en réalité, exactement. Yo Jean-Pierre Vidom, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'elle fout là ma machine à écrire? What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? No. How the hell? Oh non, ta putain, non. Someone broke in. What? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. Oh non, 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 ça c'est pas cool, hein. Putain, mon livre préféré, quoi. Mon thermos. Ok, et ok, elle a appelé le truc, ok. Elle a appelé le service des forêts pour dire, voilà. Appuie sur vous. Bah non, tu te doutes bien. Mais peut-être le gars du canyon. That guy I saw in the canyon, but I don't know why the fuck he'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts. Great. Okay. In the morning, I'm going to call my friend Patty, who works the desk down in Cody. Ah, mais je vais pas dormir là, moi. Keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get a list of. Cosco de sécher la meuf. Je crois qu'on la voit jamais en fait. Much, but at least if anything il n'est pas seul dans cette forêt. Refer to it and see if anything comes up. Thanks. Ok, bon, on verra tout ça demain. I need you to feel safe out here. Ah bah là non. Ouais, don't worry. Well, sure don't ah non, je dis non.
Ouais, je lui dis. Ok, je lui dis que j'étais pas super bien, mais elle a dit ok. Au deuxième jour. C'est Julia, elle t'a retrouvé. Bah, Julia, elle est chez ses parents. Elle va bien. Hein. Moi aussi, hein. Ah, je suis là. Yo, Mr. Crytex. Ouais, je suis là. Notre problème. Ok, on a plus de téléphone. Ok, il n'y a plus de téléphone. Ok, il n'y a plus de radio non plus. Oh bah super. Il n'y a pas de backup. Deux jours de marche, de randonnée. Compliqué, yo Matt. Yonobi. Je vais pas annoncer. Peut-être. Peut-être, on sait pas. Alors. Ouais, la cave, ouais. La caverne, ouais. Ok, on va repasser par la caverne. Henry. Non, m'appelle. Ouais, m'appelle pas Hank. S'il te plaît. Donc là, on va retourner. Dans notre. Dans la caverne, et à la sortie de la caverne, prendre plein d'or pour aller surveiller les lignes téléphoniques. Les lignes, je sais pas quoi là. Alors il faut que je retourne la caverne. Alors il faut que je trouve les chiottes. Où sont les chiottes? Ils ont déplacé les chiottes? Bah. Où sont les chiottes? Ok. Ok, donc on va utiliser un truc. Merci du follow, bienvenue sur la chaîne Drida. Bienvenue à toi. Bonsoir Toto, comment vas-tu? Stress avec hélicoptère? Non, il n'y a pas d'hélicoptère, je te jure, il n'y a pas d'hélicoptère. C'est de l'autre côté. Déjà, c'est de l'autre côté. Merci du follow, Vicky, bienvenue sur la chaîne Via France. A plus de Varys. Alors, de l'autre côté, les chiottes. Allez là, la cabine. Ah oui, il y a des arbres qui sont tombés à cause de la tempête. Très certainement. Donc les chiottes sont là. Le truc est là. Et là, devrait y avoir le... Ah mais j'ai pas de corde. Ok, pas de problème, le mec saute. Nickel. Yo, Adri. Il y a Bigfoot derrière toi. Non, je cours, il n'y a pas de Bigfoot, t'inquiète pas. De toute façon, tu verrais ma tronche, il y avait Bigfoot, voilà. Je pense qu'on le verrait de suite, hein. Je pense que je hurlerai comme une petite fille. Alors, on connaît la forêt par cœur maintenant. Hein. Je suis capable de retourner au lac les yeux fermés. Hein. Et les doigts dans le nez aussi. Donc les yeux fermés, les doigts dans le nez. Merci du follow, Azou. Azou. Les pauvres genoux. Ah mais c'est un professionnel, vous comprenez, c'est un professionnel. Oh, it's actually pretty damn cold. Ouais, il fait froid. Roger that. Warms up fast. The mornings are cold in Boulder though, right? En fait, elle fait acquiescer ce que je lui dis quoi. What did you get up to down there? Tout le reste, elle s'en fout quoi. What's life like? Je vais lui parler du bar. You know. Boring if you don't ski. We used to go to this bar called the Dollar, though. I love that place. Oh, wait, is that down on Pearl? They have all the money pinned to the ceiling? Yeah, that's it, yeah. Okay. I love that bar. Why don't you go anymore? Ah, oh, putain. J'ai eu un contrôle d'alcoolémie. Voilà. Bah, on va dire ça. Yeah, not particularly proud of it. Well, I mean... Bah. Look, I haven't told anyone this, but Ah, elle va me dire un secret. I got one too. Years ago. Yeah. Elle en a eu un il y a 5 ans. It was stupid. It was so stupid. Elle s'est fait pécho aussi. You know, it's late, it's winter. Elle bibine aussi. And you just want to get home. Attends, totally. Plein nord, on m'a dit. Hein. So fucking dumb. On m'a dit plein nord. Hein. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. J'ai un peu froid avec mon short. I don't think so. Why, have you? Okay, good. No, I don't think he has any idea. Attends.
crois pas qu'il a aucune... Je crois qu'il a aucune idée. Je suis sûr. Est-ce que vous le feriez? Dites-moi si quelque chose a changé par rapport à ce truc, ok? Hey, sorry about that. Anyway, I empathize with the DUI thing. Ah, l'entraînement, tu bais, hein. Afton, bonne nuit à toi. Vous mettrez CDC pour l'ambiance. Sorry, mais grave. Mais grave. Non mais vas-y, on s'en fout. Ask about the call, ouais. Je vais lui demander c'était qui. I don't think he has any idea. What was that? Were you talking about me? What? You left your button pressed or something. Henry, that call was work. I was just talking to... Actually, it's not really your business. Why are you freaking out? I'm not freaking out. Good. I'm gonna go quiet for a little bit. Call me if it's important. Ok, elle est pas disponible, elle se barre. Ok, très bien. Eh ben oui, c'est important, j'arrive aux lignes de machin là. C'est le taf, choupette. Ah, oh, ce serait pas elle ça là-bas? Regardez. C'est sa tour. Can you see the communication wires from where you are? I can see the poles, but I have no idea if the wire is in good shape or not. They run a good distance up to a spot called Beartooth Point. Merci du follow, bienvenue, Spectraz. Make sure everything's in ship shape. J'aime bien la fille au Toki. Allez, ouais, je sais pas si ça va être, je sais pas. On va voir, on va voir. Ça a souvent été le cas des gens au Toki Woki qui te, hein, qui te mettaient des petits coups de, voilà. On sait jamais, hein. Ah, rappelez-vous, ah non, c'était pas au Toki Woki, mais... Oh, attends, je peux lui dire quelque chose, là. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back as soon as you give me the all clear. Ok, elle veut me dire... Merci du follow, Anto, bienvenue. Ah ouais, non, mais là, ok. Ah oh, putain, attends, faut que je trouve le bon chemin. Merci du follow, Flavien, bienvenue à toi. Justement, Kamak. Ah, c'est pour ça que tu l'aimes bien. Ah ouais, d'accord, fracasse. Ok, toi, tu veux qu'elle me fasse mal, en fait, c'est ça? Voilà, dis-le, tu peux le dire direct. Tu veux qu'elle me fasse mal, elle me fait... voilà. On a envie qu'elle te fasse mal. Elle va me faire mal, je pense. Encore des... Oh, oh, encore des binous. Guess what? What is it? There's a bunch of empty cans up here. Same as before? Yep. These fucking kids. C'est peut-être pas des enfants qui picolent, hein. C'est peut-être pas des enfants, hein. Ok, donc bon là, y'a rien d'intéressant. Faut pas la veine. On avance. Et tout va bien se passer. Yo, Yabila, c'est un... On ne sait pas trop. C'est un jeu d'exploration, de randonnée et d'exploration. Une histoire, on ne sait pas, on est en train de découvrir. Merci Théo du follow, bienvenue sur la chaîne NVIDIA France. Yeah, okay, the wire's down here. Okay, good. Any sign of those girls? Did they mess with anything? I'll look around. Bah ouais, y'a un caleçon avec marqué go, go hell, allez vous faire, hein. Oui, bah tu le vois ou pas le caleçon, là? Non? Non, tu le vois pas. Inspecte. Ok, attends, je vais essayer d'inspecter mieux. Ah, mais t'es sérieux, là? Ok, je peux pas... Ma birk, ok. Ok, report le cut. Ok, ça c'est bon. Un résumé du jeu, s'il te plaît. On est garde de chasse? Non. On garde forestier? On est garde forestier. Et on vient d'arriver. Le lendemain de notre arrivée, notre cabane a été pillée. Et la personne avec qui je suis en communication, qui travaille avec moi sur un autre poste, me fait faire des trucs. Et là, elle me dit, va voir ces câbles-là, je pense qu'ils sont pétés. Et en effet, elle a raison, ils sont pétés. Le truc, c'est que je n'arrive pas à End of Wire. Hey, so the wire is definitely down out here. I just found it. Ok. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It ah, voilà. Like it was cut deliberately. Il a été coupé. I knew it. The moment you said you found their trash, these idiots are gonna pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? God forbid there's an actual fire burning out. Elle est vénère. Elle est vénère. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je veux que tu les trouves. And then what? Trouve les gamins. Et tu leur pote les cul. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Ok, elle a envie de les tuer, quoi.
Oh, yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Okay, veux que je leur fasse peur. A spooky ghost costume, but they stole my sheets. I don't know. Non, mais je peux les suivre à la trace, en fait. Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. Il veut que je... I'll find them. Ok, elle veut que je trouve leur camp. But I am gonna need a raise. Elle veut que je trouve leur camp et que je le retourne comme c'est pas permis pour leur faire peur. Bien sûr, j'ai demandé une augmentation. Je ne sais pas si Bah, je pense qu'ils ont pris là. Attendez, on va voir si c'est là. Non. Non, c'est pas là. Bonne nuit, un dragon. C'est pas là. On va essayer de... Attendez, on va les trouver. Ah bah si, c'est là, hein. Ok, j'ai pas le choix. Ok, j'ai pas trop le choix. Je viens juste de comprendre comment me suis rendu avec Flove. D'accord ? Très bien, merci. Bienvenue. Bon, monsieur Patate, je pense que ça va se faire Théoban. Je pense, hein. Je dis ça, je dis rien. Moi, je pense qu'il y a un Théoban qui se... Voilà. J'avais dit, hein. C'est vrai, je l'avais senti. J'ai perdu la trace des mecs, là. Attendez, faut que je trouve une canette, un poil de slip. Y'a du multi ou pas? Ah non, je pense pas, là. Non, je pense pas. Non, je pense pas du tout. Supply. Est-ce que les supplies, c'est tous le même code? Ah ouais, c'est tous le même code en fait. Mais c'est de la merde. Mais y'a rien. Ok, super, y'a rien dedans. Je peux pas lui dire le supply. Ok. Yo Louis, comment tu vas? Il a des yeux bioniques pour zoomer comme ça. Ouais, il a des yeux bioniques, ouais. Non mais là j'ai perdu leur trace là. Ah, j'y vais complètement au bluff là. Sans aucune notion de là où je vais. Hein. Je pense que ça. Tu deviens tout fou à être tout seul, oui, peut-être. Où suis-je? Ah, je suis là? Tu penses que c'est aussi loin que ça? Hey, I'm out at a ravine. What's this thing that spans across it? That is how you get to my sector. Ah d'accord, c'est le secteur de... Well, it's locked up and mainly for emergencies. I've never actually used it. Rangers use it from time to time, but that's it. Ok, on peut pas l'utiliser. Help! Oh god, it's an emergency! Oh, really? Yeah, I got eyes on a tornado. I gotta get out of here. A tornado in the heart of the Rockies? Yes. Okay. Ils sont très très drôles. Holy moly, I need to call this in. Tom, Two Forks sees a tornado. He says he needs an evac into my sector. It's a meteorological impossibility. There haven't been tornadoes in the greater Yellowstone region in 100 million years. You're gonna need him to stay and take a detailed personal account, even if it means giving his life. Okay, I'll tell him. Sorry, Hank. No dice. Ok, elle veut pas. Man. Donc là, je cherche toujours la trace des mecs. Hein. Oh putain, j'ai failli tomber. Je ne sais pas si on peut tomber. Ah, attendez, voilà. There's an abandoned pack out here.
And it's not one of the teens? No, it looks like it was lost ouais, a long time ago. Ça fait longtemps qu'il est là. Well, you could always pilfer it for supplies. Y'a rien dedans? Si. Oh, un appareil photo. Nice! Et une corde! Well, I am flush with ropes now. That pack was full of them, in decent condition too. Ok, plein de cordes. There's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this, this pack came with one of those cardboard single-use cameras. Par contre... With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Ok, connaissez le mec? Bah c'est qui? Attends, tu me dis qui c'est par contre? Ah, je peux pas? Anyway, ah, yeah, dommage. Brian Goodwin. He was stationed in Two Forks, your lookout, with his dad Ned. On peut faire des petites photos, c'est mignon. On peut faire des photos, important. You can bring children out here? No. You know, I'm not a stickler for rules. J'ai complètement perdu la trace des autres. Allez, on va mettre la petite corde. On va essayer de s'en sortir. A plus, Tristan. Anyway, so it goes. Have fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photo dome employee. I don't know. I got a lot of. Je sais pas combien j'ai de cordes par contre. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Ah bah je les cherche les gamines. Mais je vais pas les trouver, je pense. J'ai aucune idée d'où je vais en fait. Sorry about snapping at you earlier. I thought about it and ah, elle a tout le temps des remords, elle. Sounded kind of weird when you heard me take that other call. Plus, you're just out here in your own head. Trust me, I know how it is. So, did you break any hearts back in Colorado when you took this job? I myself have chosen to never get attached to anyone who would miss me, but I know I'm a bit of an outlier. I don't mean that the way it sounds. I mean, I care about people, and I like companionship as much as the next person. Mais oui, je suis complètement perdu sur GPS, moi. Complètement. Everything's fine, just, you know, we're taking some time apart, getting some fresh air. A little change. Yeah. All right, well, we can just leave it at that. Thanks. Hey, Delilah? What do you got? You found him? No, not yet. J'ai trouvé un... Why would there be a fence out here? Because sometimes hikers go ass over tea kettle when on a trail. So the Forest Service would put up a big chain link fence? A chain link fence? Ah oui. It looks like it surrounds a huge area. Huh. That's weird. Do you think those girls could be behind this fence? Well, having once been an ornery. Est-ce que les gonzesses pourraient être derrière cette putain de. Donc du coup, ils se rendent compte qu'il y a une. Enfin, ils se rendent compte. Ok, elle n'était pas au courant apparemment qu'il y avait toute une zone qui était embarbelée, en grillagée, etc. etc. Bah, moi je veux passer dedans. Elle est où la porte? Where is the port? Ouais, parce que du coup on parle anglais ce soir. Where is the port? Ah, je peux pas. Ok, on est où? On est là. Ok, on va vérifier en bas là. Donc attendez, on va laisser tomber la. On va laisser tomber le grillage. Je pense que ça marquera pas. Tu avais un truc jaune ou un truc jaune? Parce qu'un truc jaune, c'est pas pareil qu'un truc jaune. C'est pas la même chose. Ah non, non, non. Il y avait un truc jaune à gauche? En fait, tout est jaune, hein, en même temps. Non, j'ai... Non. Hein? I see a really thin plume of smoke. Ah bon? Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? I reckon so.
It looks like it's to the southwest of me. That's right. Okay. If you hike towards Five Mile Creek, that should put you in the neighborhood. Southwest. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Mais moi je vois rien. Elle est là. Ok. Ok. Bon, attendez. J'ai loupé une boîte. Mais vous êtes sûr que j'ai loupé une boîte? Y'a rien sur la carte. Ah oui, j'ai loupé. Ah oui, j'ai loupé la cache. Ah oui, j'ai loupé une cache là, en effet. Elle est où? Elle est où la cache? Ah oui, en effet. Enfin, j'ai loupé. Je l'ai pas vu, quoi. Bon, c'est pareil que loupé. On dirait. 1, 2. Ok, mise à jour de carte. Donc on... Bonne nuit, Stevie. Ok, une griffe de... Une griffe fossilisée. Non, on va pas lui reporter ça, on s'en fout. Et... Une pierre. Mais c'est nul, elles sont nulles, ces caches, là. Ok, qu'est-ce que ça m'a mis sur ma carte? Ok, des chemins. Ok, ça met des chemins. Ok, ça met les chemins. Oh, oui, c'est pas mal. Donc, merci Louis. En effet, tu as raison. J'avais loupé quelque chose. Donc là, il y a la fumée. Ah, là-bas. Ah, d'accord, ok, elle est là. Ok, moi, je la cherchais là. Elle est là, la colonne de fumée. Ok, très bien. Donc, du coup, il va falloir monter là-haut. N'oublie pas la note. Ah, il y a des notes. Quoi, aggravation, il y a des notes. Oui, mais je ne savais pas. Ah. Alors attendez, bougez pas, on y retourne. Comment ça, il y a des notes? Ah oui, notes. Q. Dave, guess who coming? Oh putain, mais ça va être tout en anglais. Oh là là. I want to check a new guy at Two Forks, c'est moi? Non, c'est pas moi. Attends, Dave. Qui c'est Dave? Signé Ron. Ça n'a rien à voir avec moi. Rien du tout, mais rien du tout. Ça va être possible, Olympique, deranged, perverted, ok. Oh, oh là là, ça pue, à un point. À un point que vous pouvez même pas imaginer. Hein. Drop, examine, keep. Ah, je la keep. Je la keep. Merci du follow, bienvenue Julien. Je suis obligé de baisser la tête pour voir. C'est cool ça. Un jour, je suis perdu en forêt. J'espère que Kamak, tu ne seras pas forestier. Le garde forestier qui devra venir me sauver. Non, 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 je t'ai promis. J'adore la randonnée. J'adore ça, vraiment. Hein. Mais dans les jeux vidéo. Voilà. Après le reste. I'm having a hell of a time getting this fucking flapjack off his ass and out to repair that wire. Ouais, ouais, bah t'es gentil, ma petite choupette. Ouais, tiens. Oh, man. What? You like that? This guy is the freaking king of the flapjacks. Comment est-ce qu'on va pouvoir monter? Solid. I'll have to keep that one in my pocket. It's all yours. Ok, c'est de la merde, c'est de la merde. But just so you know, I viens de passer devant une boîte rouge. Mais t'es sérieux là? Earlier, when you brought up your wife. Mais... You can tell me about her though if you want. Non. You know, honestly, I would just really rather not, okay? You're gonna spend all summer out here in that mood. We'll see. I bet you don't. Yeah, well, une okay. Boîte rouge. Alors là, attends, je cherche ta boîte rouge. Oui, à côté de l'arbre couché. Oh, Are you fucking serious? Yo, Oscar. Re-Oscar. Je suis trop loin, là, peut-être. Alors, là. Là, arbre couché.
Non. Merci du follow. T'as loupé une boîte bleue. Non mais putain de ma gueule, putain. Il se fout de ma gueule. Oh, boîte jaune. Ok. Boîte jaune faite. Boîte rouge et bleue. Non, bleu, non. Non, vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule, c'est sûr. Et sûr et certain. Yo, Dimitri. Prends le flingue de Buck. Non mais grave, le flingue de Buck direct. J'aurais dû le prendre avant de partir. Je savais qu'il fallait s'équiper. Je le savais. Alors là, hélicoptère à droite, détectateur. Allez, c'est parti. Non, bah non. Bah tant pis. Tant pis pour la boîte rouge. Hein. Non. Boîte rouge, non, y'a pas. Merci du follow, X-Energy, bienvenue sur NVIDIA France. Ok, on va tenter de monter là-haut. Parce que monter là-bas, en bas, c'est difficile, donc on va monter là-haut. Voilà. T'aurais plus vite fait en captard. Putain, oui, en plus avec la formule qu'on a. Ça va faire. Forest Service's big recruiting effort when it comes to, you know, how the hell you ended up out here. Pourquoi la musique se déclenche? I saw the job in the paper and figured, you know, what the heck? What the heck? I've got no ties and no life. Pourquoi? Better go spend what's left of it in utter loneliness. Pourquoi la musique like se déclenche? Now, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us to advertise for the job. Je sens que ça va mal se faire cette histoire. Non mais là, faut que je monte tout en haut là. Bon, la musique a pas l'air stressante, mais ça sent mauvais quoi. Ça sent très très mauvais. Je fais quand du ATS très certainement jeudi. Ah putain non, en fait c'était pas là-haut. Non, on est sur le bon chemin. Oh putain, on est sur le bon chemin les gars. On est sur le bon chemin. Elle est là-bas là, la colonne de fumée. Non mais la colonne de fumée, tu vas voir qu'elle va être au niveau du lac. Me lâche pas la corde, me lâche pas. Hein. Bonne corde ça. Wow, I'm on top of a natural bridge out here. Really? Is it a complete arch? No, I guess the bridge is out here. Still, I think I could jump this gap to get across the canyon. Oui, c'est bon. C'est fait. Oh yeah, you should see the jumpsuit I'm wearing. La musique est assez cool. Ouais, la musique est assez cool. Ouais. Ah, si, demain, mais demain on fait du R6. Demain après-midi. Demain soir on fait du R6. Ok, on est sur la bonne voie les gars, on est sur la bonne voie. C'est vraiment un jeu de rando. Hein. C'est clairement un jeu de rando. Hein. Est-ce qu'on voit encore la fumée? Non. Elle est là-bas. Elle est par là-bas. C'est que deux meufs de tout à l'heure qui font cramer du pain. Mais c'est sûr, putain. C'est sûr que c'est elle en plus. Tu vas voir. 200%. Je sens que c'est elle. Ah non. Ah. Est-ce que je peux monter là-dessus? Oh, pas du tout. Ok, bon, bah passons par là. Est-ce que vous avez remarqué un truc important? On est dans une forêt depuis environ 1h30. Et on n'a pas entendu... Ok, au moment où je dis ça, il y a un oiseau qui chante. Ok, super. J'allais dire, on n'a pas entendu un seul oiseau et connard, tu te mets à chanter maintenant. Oh, une caisse. Une caisse. Qu'on a déjà ouverte. Motherfucker! Eh ouais, on est revenu là. Je vous l'ai dit, elles sont au truc. Putain, on a fait tout le tour pour rien, quoi. You're not one of those guys who's building the great plan to get her back while you're out here, are you? Because you don't want to be that guy. Non, can you just stop? Please. How many different ways do I need to make it clear that I do not want to talk about this? Bah ouais, j'ai pas envie d'en parler, putain. Laisse-moi tranquille. At least one more, I guess. Then here it is. Just
stop. Voilà. Ok. Je sais pas si j'ai des codes illimités. I'm happy to hear about the birds, the chance of lightning, whatever weird shit you've got going on, but can we please not talk about me? Sure. Merci. Okay, I'm sorry. Oh, ouais. Elle est relou, hein. Elle est relou, hein. C'est bon, je pense que je l'ai remise en place, là. Sur, sur le chat-chat, quoi. Le blabla, quoi. On n'est pas là pour blablater, hein. Je descends. Je descends et ça va bien se passer. Là, tu vas voir qu'elles vont, elles vont y être, hein. Est-ce qu'il faut que je descende là? On est où? On est là? Je sais pas s'il faut que je descende. Ah si, il faut que je descende. Ah si, il faut que je descende. Je vais descendre, je vais descendre. Toc la vie avec. Ah non, mais c'est bon, à un moment donné, Wendigo. Oh non, s'il te plaît, ne parle pas de ça. Ne parle pas de ça, nous allons faire des cauchemars encore cette nuit. Non, 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 non. Tu dois faire quoi? Là, je dois aller trouver des nénettes qui foutent le bordel dans la forêt. Mais je sens que l'histoire va tourner au vinaigre. Enfin, ouais. Je sens qu'en final, voilà, là, ça sauve déjà le point de sauvegarde. J'aime pas ça. C'est H qui t'attend. C'est cette triple action déguisée en H qui m'attend. Ok, déjà j'ai perdu la fumée. Pas sûr d'avoir fait le bon choix. Pas sûr d'avoir fait le bon choix du tout même. Non, j'ai pas d'arme pour l'instant. Et je ne sais même pas si j'en aurai. J'ai rien dit. Ah si si, j'ai... La merde. Non mais sans déconner. Ok, super, la bonne ambiance. Alors, mise à jour de la carte. Ah, il y a une personne disparue, dis donc. Mitch Michael. How many hikers go missing in the Shoshone? More than none, unfortunately, with most of them being in this area. Je vais la garder. Non, non. Why? I found an old flyer for a missing hiker. It just got me thinking, okay. That's all. Like how you said one day you were talking to the Goodwins and then the next you weren't. Ned Goodwin didn't. Le truc c'est que c'est des grenades de pommes de pain. Mais j'aimerais bien. Just a PTSD a-hole who dragged his son out to do a job and. OK, là par contre, je ne vois plus du tout le. Bon, ouais, c'est tranquille. J'ai perdu le feu. Musique. Très utile. Très 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 utile. Waterfall down here. Given those girls love a skinny dipping, I bet they're nearby. Je crois qu'elles sont pas là. Elles sont par là. Putain, je sens que c'est la merde là. Attends, je sens qu'on est complètement, on est perdu. On est perdu. On est perdu, Yodrid. On est où? On est là. Ah, j'ai loupé le chemin. Ok, j'ai loupé un chemin. Attendez, j'ai loupé un chemin. Ah, je peux pas regarder plus. Ok. Faut que je retourne au ruisseau là. Attendez. Mais c'est par là, non? Yes, c'est ça. Vas-y. Ok, on va y arriver. Yonaki. Ok, on va y arriver là. On y arrive. Ok, sauvegarde. Ah, le feu de courrier.
I see a campsite, and it looks like they've got a fire. Is it them? That seems like it. I swear, they must have dragged four cases of beer out here. Ok, ils ont encore picolé de la bière. Track them down. What a job this is. Teen. I have entered the teen zone. Oh, really? And where's that? It's the name of a magazine for girls. Ah, found my sheets! Ce sont mes vêtements so qui m'ont volé. Break into your tower. Looks like. Ok, je peux pas les récupérer, non? Tent looks like it's been through the shredder. What could have done that? Like a bear or I don't know, it sounds crazy, but even a bull elk if it's off its rocker. Whatever did it, did not hold back. You've got that camera, right? Looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it. I hope you're okay. Fucking happy. Yeah. Let me know what it says. They're leaving and they're going to the police. Okay. Okay, les meufs se sont fait agresser et elles ont laissé un message. Donc elles sont parties. Alors attendez, il faut que je fasse une photo. Comment je fais une photo déjà? Comment je fais une photo? Oh F! Oh putain! Oh j'ai trouvé une touche! F! Ah, intéressant. Merde, comment on fait une photo? On passe. Non. Merde! J'ai oublié. WXZZVBN. Ah, comment on fait une photo? Oh, j'ai oublié comment on fait une photo. Ouais, la tente, par contre, à mon avis, Alt F4. Alt F4, c'est ça, bambou, t'as raison. Je ne sais plus. P. Merde. Non, je sais plus. Attendez, je cherche, hein. C. Ah, C, caméra. C'est bon, une seule, ça suffit, hein. Ok, F13. Ça pue le psychopathe. Ouais, ou l'attaque de... Là, l'attaque d'ours, hein. Ok. C'est quoi la suite du job, là? Elle m'a dit quoi? Merde, j'ai pas su. No, maybe I should take one of their sleeping bags as payback. At this stage, take whatever you want. Non mais je vais pas prendre 40 000 photos. C'est bon, j'ai la photo. C'est bon, je... Elle m'a dit de prendre une photo, non? Merci. Yo, Sammy Good, bienvenue sur la chaîne Via France. Derrière toi, sur l'arbre, à côté du ruisseau. Derrière toi, sur l'arbre, à côté du ruisseau. Oh, c'est loin, là. On va loin, là. Ça va finir à la Until Dawn. Ça va très très mal finir. Ah, il y a un bout de... Ah, d'accord, ok, c'était ça. Part of their tent. It's really torn up, huh? Yeah, big time. Okay. Il faut que je trouve. Enfin, attends, faut peut-être que je rapporte tout. Je vais tout rapporter et puis on verra ce qu'elle me dit. Voilà. Merci du follow, bienvenue les dictateurs sur chez une vie à France. Le camp c'est bon, la teen zone c'est bon. Well, I found some dangerous hunks. Ok. What on earth are you... It's another one of those magazines. Mais oui, c'est un petit magazine. Prends la note. Ah si, je peux la piquer. Ah oui, voilà. Well, they're gone, for sure. Well, what's it say? Eh ben ça sait que... qui vont appeler la police et qu'elles pensent qu'elles sont fait attaquer. Oh my god, well, did you? Tu vois que ça parlait de toi sur le live de Thomas. Qui est Thomas? Mon très cher citron vert. Je ne sais que je ne l'ai pas. Henry, merde, j'ai pas eu le temps de répondre. Ah non, 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 bah non. Don't be ridiculous. Bien entendu. C'est ridiculous. Peut-être que... Look, I just came out here to sit in a tower, all right? Not get into some mess with a bunch of co-eds. Pique tout. On peut tout piquer. Oh, pique tout. They're gone. Oh, pique tout. Yeah.
They're gone. But you should see this place. Elles sont parties, oui. It's weird. Bon, je la garde. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know. But they're gone. There's voilà. No way to call the cops. They're not coming back. And we can get to work. I'd really like to start voilà. Enjoying a quiet summer. Voilà, super. Deuxième, troisième jour. Troisième jour. Est-ce que tu vas aller... Non, non, je vais pas... Non, non, je vais me coucher tôt. Pour être en forme toute la semaine. Find bond downstairs to patch the window. Alors, downstairs. Alors, en bas de l'escalier. Ouais, ok. Hey, Henry? Yeah. What do you look like? Why are you asking? Pourquoi tu demandes, c'est clair. Bah ouais, je vois ça, ouais. Like Burt Reynolds. Bien well, ça. I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? C'est pas women ça. Say that we have a similar musk. Ah, c'est ça, merde, c'est là. Ah, c'est là. Hey, you asked. Elle a demandé. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. Okay. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, merci du you know, follow. PC, oh, bienvenue à toi. La Geneviève France. Oh my god, you are the whitest man. Wow. I don't need a spotting scope for that. Elle va tomber amoureuse de moi. C'est sûr, c'est obligé. Elle est obligée, elle est obligée. Est-ce que je peux... Non, je vais pas reply. Ok, j'en ai pas trouvé assez, c'est ça? Now this can't be that hard. Oh, t'es sérieux là? Ah, c'est à l'extérieur, attendez. Bah faut bien réparer la cabane les gars, elle est complètement défoncée, bien sûr. Merci du follow Mister Jojo, bienvenue. Merde, il m'en manque une. Ok, il m'en manque une. Mais... C'est des gueunards, fou. Ah, elle est là. Elle est là. J'ai oublié. Ah oh, mais elle est chiante, okay. Je lui ai dit d'arrêter de me... Get out of here. Voilà. I'm drawing you. I need to know. You're what? Is that okay? Don't answer. I'm gonna do it regardless. Fine. Your eyes, tell me. Happy. On va lui dire ça. Ah, premier live pour Mister Jojo, bienvenue. Bienvenue Mister Jojo. Look, I don't know how to describe eyes. Happy is good. That's good. Okay, got it. Thank you, Henry. De rien, plaisir. J'ai réparé. Absolutely. Un petit café? Oh, and that window is all patched up. So, what should I do now? What's next? Qu'est-ce que je fais maintenant? What's next? What do you think is next? Well, you've been the one giving me. J'ai plus moral que sur le. What's next? Is you sit in that room until September 1st and call me at the first sign of smoke. Okay. Yeah. Yeah. Why don't you let me know when you're mentally prepared for that task and I'll give it to you. Okay, I'm ready to rock. Okay. Vas-y, c'est bon. I think I am ready to tackle my long-term commitment of keeping this national forest safe from total destruction. Okay, je suis prêt. I'm glad to hear you've really thought this through. Of course. We've issued you a comfy chair to sit in and everything. You know, it's not really that comfy. Ah. It's wooden and there's no padding. Le truc de dédé, les gars. I think I actually got a splinter in my thigh this morning. Le truc de dédé. Aww. Well, regardless, take a seat. The forest depends on you. Ouais. Take a seat. Neuvième jour. Oh putain, on s'est fait chier pendant 6 jours. En 6 jours, il s'est rien passé. Ok, super, la bonne ambiance. Ah, petit. Hello, Henry. Having a nice afternoon? Putain, c'est beau par contre. Hein. Not too bad. I could get used to it out here. That's nice. J'essaie de faire une screenshot de ça parce que c'est joli. Deux femmes ont été portées disparues. They've got parents out in California who haven't heard from them in a week. They were supposed to meet an aunt down in Cody. If they're the girls from last week, then you're probably the last person to have seen them. Ah, ce sont les deux nénettes. You should tell whoever that I'm happy to be questioned.
Et du coup, on veut me... Voilà. Je suis la dernière personne à les avoir vues vivantes. If they turn up dead, then maybe. Should I just not say anything and save us the trouble? Ok, en gros, si elles sont mortes, yes, don't. Yeah, don't. Ouais. En gros, yeah, voilà. Je suis dans la merde. Enjoy the sunset. Ouais, merci. Ok, donc les deux gonzesses. Oh putain, 15. 4 jours plus tard. 6 jours plus tard. Les deux gonzesses dont le corps était ravagé, qui sont parties Henry. Donc, Henry, sont portées disparues. C'est un jeu d'horreur ou pas? On ne sait pas encore. On ne sait pas, today. Et si c'était ton personnage de psychopathe? On ne sait pas. Peut-être. What do you want? Hey, you big dumb idiot. Oh la picolée. Babe, it's late. Ah, c'est Julia. I know it is. You sound tired. C'est ma femme. Enfin. Are you having a nice time? Je rêve là, c'est pas possible. Ouais, c'est yeah. Ouais, c'est cool. It's good here. It's beautiful, you know. That's great, Henry. Really great. Mm-hmm. Well, I'll let you get back to sleep then. Okay, Jules. Ok, bah, c'est un rêve. Delilah seems nice. Mm-hmm, sure. Bye, baby. Jour 33. Putain, ouais, c'est un rêve, ouais. Ouais, je viens de comprendre. Je viens de comprendre, t'inquiète. Jour 33. Tout est normal. Supply drop. Ike, North to retrieve supply. To ok. Well, I get my non. Stuff hand delivered. Non, les gars. Oh, how's that work? It's the perks of a decade let's of service. Go. You're out hiking in 90 degree heat and I get to do ça pue grave, mais bien sûr que ça pue grave. Bien entendu que ça pue grave. Anyway, when you find the supply drop, ça pue complètement, it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there and ouais, je récupère ce que je veux, mon gars. There should be loads of good stuff, though. Beans, prunes, non, jerky. Non. My sister eats 6 prunes a day. 6. She's like really precise about it. On cherche tort. C'est destructeur, c'est ça. Le mec devient complètement taré. Non mais là, ça fait un petit moment que j'y suis donc. T'es pas obligé de demander. Merci, It's Threes. Je sais pas si c'est comme ça qu'on balance. Attendez, je regarde ma carte. Comment on fait pour descendre? Je suis où déjà? Où suis-je? Je suis là. Ah ok, je me suis trompé de route. Ok, ça commence bien. You called me in the middle of the night a couple of weeks ago and I really only heard the name Jules, so figured I'd ask. Ouais, non mais demande pas tout le temps en fait, c'est pas la peine. I'm just gonna assume she's the reason you're out here. It's an age-old story. And whatever happened, I'm glad because we get to pal around together for a few months. Il faut que je remonte. Attends. Où est la corde là? Allez là, ok. Ok, c'est bon, je m'étais juste trompé là, un tout petit peu. Saute, Kamak. Vas-y, saute, tu peux y aller, t'inquiète pas, tu risques rien, tu ne vas pas mourir. Non, pas du tout. Absolument pas. Tu es en totale sécurité. Mais bien sûr que tu es en sécurité, Kamak. Vas-y, saute. Tu as un magnifique short, tu peux y aller, y a aucun problème. J'aime bien ton GPS, c'est de la première génération, c'est la génération moins 2. Non, il y a pas de Wendigo. Non. Il y a pas de Wendigo. C'est quoi le but du jeu? On ne sait pas le. C'est une histoire, c'est un jeu narratif. Non, c'est un jeu narratif. C'est une histoire et on verra ce qui se passe. C'est un peu comme merde, on a parlé. Oh, avec les Wendigo, je ne sais pas. Kamakou, tu tiens pas non plus. Pardon? Until Dawn. Voilà, c'est un peu comme Until Dawn, c'est de la narration, et voilà, horreur, pas horreur, ça pour l'instant on n'en sait rien. N'empêche qu'il y a quand même deux nénettes qui sont portées disparues. Voilà, dont on a vu la tente complètement arrachée. Donc il y a moyen qu'à un moment donné... Ok, ça doit être là. Mais non, mais prends pas de photos, Jean-Jean, on n'est pas là pour, visiter, quoi. Saute, on prépare le chat. Vas-y, saute, on prépare, vas-y, tout est prêt. C'est bon, t'es prêt? Vas-y, saute maintenant. Mais là par contre à un moment donné faut que je saute ou quoi?
Ok, ok, c'est pas par là. Mais elle se fout de ma gueule là. Ah mais oui, je vais être obligé de sauter. Alors là, alors il y a un truc à... Attendez, il y a un truc à... Saute, mais ouais. Attends, il y a peut-être un... Ah, c'est ça? Ah, c'est ça, peut-être. C'est là-dedans, en fait, non? Found the supplies. Ouais, c'est ça, en fait. Ah, nice. Enjoy. Tout pique, c'est moi. J'ai pas piqué les autres. Je suis sympa. J'aurais pu piquer... Putain, 64. Ok. Ok, ça passe vite, hein. Yo Valentin. Yo Vodka Jack, c'est un jeu narratif. On va le dire comme ça, c'est très bien. C'est un... Oh my god. Ok, il y a un gros feu. I bet we'll be stuck with her for the rest of the summer. And she doesn't have a name yet. Elle est là-bas, du Dalila. Dalila. A little risqué when coming up with them. But why don't you do the honors? Well, we should just call it the big fire if we think it's going to be. The big fire. Yeah. Well, that is practical. Ok, c'est always my goal. The Big Fire. I'm actually amazed we've never used that name. Sometimes the best names are the most obvious. The Big Fire it is. Ok, on a essayé de le baptiser The Big Fire. So there's this creek down the hill, and you know what my favorite thing to do is? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice and cool to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. Elle nous confie des petits secrets. I'm sure I would. Moi, j'écoute les conversations. It is. Je la sens pas bien, moi, Dalila. Are you looking at the fire? Yeah, I am. Ah, je regarde le feu, ouais. I love how they look at night. During the day, it's just smoke, but when the sun is down, you can just get lost. Elle est pas bien. Elle est pas bien. Yeah. Elle est pas bien. I'm glad you're here. Mais... attention, ça commence à partir en... Me too. Good. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you. Not in the same way. I look forward talking to you, even if you don't feel comfortable opening up. You always ouais, can. Tu poses trop de questions aussi à un moment donné. Hein. Yo Nico. Ouais. I wish you were too. Oh là, attention, je suis parti en mode. We could sit we could talk. We got radios. Together, we could, you know. Ok. What? What can we do? Well, let me tell you. Putain, oh là, attention, plusieurs dizaines de jours plus tard. You're going fishing without a license? It's one nice! Fish, and I'm sick of all the stuff I got to eat. Nice! Fishing! No, I won't tell anyone you're a poacher. Ok. Bon, je sais pas ce qui se passe, hein, mais il y a moyen. Can you search around the lake for fresh tracks and just let me know what you find? There was a crew burning fire lines out to the east. Cherche lakeside for beer tracks. Bear. On s'en fout. Problem bear, fuck that. I am of the opinion that they are all problems. Ouais, alors si on commence à choper come du on, please. Ah, t'es gentil, moi. Can't believe I'm gonna leave this planet as a pile of bear shit. Ok, il est où le you, lac Henry. Ouais, c'est ça, ouais. Il est là-bas, le lac. Donc elle veut que j'aille chercher des traces d'ours. Hein. Voilà.
Yo, Toloroy, comment tu vas? Est-ce que quelqu'un stream dans Twitch? Non, il y a personne après. Je crois qu'il y a personne après. Oui, il y a personne après. De toute façon, vous avez le programme en dessous. Je peux pas courir avec ça? Ah, si. Non, que... Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? What the... I found a clipboard down here and I, there's something strange going on. At the lake? What's up? Someone has written down what we said to each other, have been saying. That doesn't make any sense. Quelqu'un nous a écouté. I don't talk to the other lookouts as much as I talk to you, not in the same way. No way. Wait, hold on, something's out here. Henry, I'm worried. You didn't find and eat any mushrooms, did you? I mean, they can be fun, but also... J'ai une canne à pêche, les gars. No, devastating. J'ai une canne à pêche. Regardless, just let me know, okay, Buckaroo? Merci du follow, Libertex. Oh, I don't know why I just called you that. XCOM, ouais, on... Vendredi... Jeudi XCOM. Il y a une radio, là. Ok, le premier coup m'a fait mal. What happened, Henry? Le premier coup m'a fait très très mal. I got hit in the head, punched or something by someone. Are you serious? What the hell is going on out there? I don't know. Jesus Christ. Let me get this straight. You found a clipboard with what? Transcripts of our conversations? What else is on it? I don't know. It's gone, along with a radio of theirs. Somebody out here could have just killed me, Delilah. J'ai pris ta life, mais grave. J'ai pris ta life direct. What the fuck is going on? What's Wapiti Station? Qu'est-ce que c'est que la Wapiti Station? I don't know. Mytho. I saw the name Wapiti Station right before I was cold cocked. Does Wapiti Station mean anything to you? Wapiti Meadow. Maybe it's Wapiti Meadow. It's on our maps. It's not too far from where you are right now. Moi je voulais pêcher tranquille, it's putain. North of the lake. It looks like there should be a trail somewhere on the north shore of Jonesy Lake. OK, alors on est où là? On est là. I'll start hiking that way now. God damn it, my head. Putain, j'ai pris tellement cher dans la tronche là. Are you sure you saw what... Ah ouais. Merci du follow team over Twitch. Ah, je me suis fait niquer quoi, attends. Look, I know what I saw. Ah bah j'ai pris un pain dans la gueule là. J'ai pris un pain dans la gueule. H&D, clear as day. Ah ouais. Bien sûr. You haven't been drinking, have you? No, Jesus. Okay. Bonne nuit. Okay, I'm sorry. I believe you, but ouais, believe me. Was from 2 weeks ago. I know they were. So what's to say that they don't have transcripts from 3, 4, or 5 weeks ago? Our entire relationship, friendship, our whole summer. Someone is out here with a walkie-talkie, taking notes and talking to God knows who. Ok, un bouquin. Non mais je comprends. Well, you're probably already on your way. Ouais, je sais pas. Ok, le... University, Colorado, ok, une note. Qui dit, encore Ron. So bad news, back home, so... J'arrive pas à baisser. Did you get a note of the sheriff? Ah, je suis désolé, je comprends pas tout. Ah putain, il bouge en plus, il est chiant. Best amigo in Spanish and professional in Nata. Ok, je vais la garder. Ah c'est... Ok, je peux la cul comme ça en fait. J'ai fait le con. La carte c'est bon. Le truc c'est bon, tout est bon. Alors ça, on va le laisser comme ça dessus. Hein. Alors la carte. La carte.
me suis fait agresser. Je me suis fait agresser dans la truc. Ok. Vas-y, c'est par là. Tu vas voir Slender, Kamak. Ah non, pas ça. Alors ça, par contre, Slender, c'est le truc, je peux pas. Hein. Enfin, je peux pas. Attends, je suis en train de partir au mauvais côté, là. Oui, non, en fait, je suis con, faut continuer par là. Excusez-moi. T'as pris quelle conversation? Alors, j'entends des canards, mais je les vois pas. Hein. Ah si, ils sont là-bas. Ok, c'est bon. Ah, c'est bon, ils sont là. Ils se foutent de ma gueule, là, sur la piste, non? Y'a pas de piste, là, les gars. Je peux pas passer, là. Je peux pas passer. It's not possible. Are you fucking kidding me? Ok, parce que ce n'est pas une piste, bien entendu. Ce n'est pas une piste. Hein? Ça fera la lecture pour le mec qui t'a frappé. J'ai vu quelqu'un à gauche. Non, y'a personne. Je te jure, y'a personne. Ah là. Est-ce que j'ai encore les cordes? Ouais. Non, non, moi je crie pas. Hein. Je fais ça à moi. Voilà. Je l'ai faite, la cage, je l'ai faite. Ça, c'est pas naturel, hein. Pour info. Hein. Ouais, je préfère vous le dire, hein, histoire que vous soyez dans l'ambiance, c'est pas naturel. En tant qu'expert, j'ai en généalogie. Oh, j'ai voulu faire un truc de merde, mais j'ai pas réussi. Parce que la généalogie, c'est pas ça. Géologie, je vous le dis, ce n'est pas naturel. J'aurais pas pu sauter là? Non, j'aurais pas pu. Ah. Non. Tape-le. Ah, je ne peux pas le taper. Ok, il doit me manquer un outil. Non, tu... Ah, je le fais moins bien là. Oh, fence. Ah oui, mais on arrive à la... Ok, je suis à la fence. Je ne vois personne autour, mais je ne suis pas sûr que je peux passer past it. How big is it? Big. It goes off in both directions. Je peux pas faire les deux là. Ça, c'est la zone... What the fuck is going on out here? Whatever it is, someone doesn't want anyone to know about it. Okay. And what are the odds they left the gate unlocked? Pretty low, I'd imagine. Okay. I've given it the good college try. No dice. Shit. I don't know how long I can dick around out here until someone notices. God, if you were an actual firefighter, you'd have that gate down in two shakes. Hey, actually, those guys doing the controlled burn, they might be able to help. Where are they? Beyond Ruby River, there's a scout camp. They burned the lights a few days ago, deuxième coup, sait jamais. Hike right to them. Well, that's great. If they haven't left, they're probably the type of guys who would help you get through that fence. Ok, alors, du coup, on me dit d'aller voir d'autres gars. Look the controlled burn south of the Ruby River. Alors, the Ruby River. Mais c'est tellement loin! Je vais me faire agresser sur le chemin! Putain, c'est obligé, je me fais agresser! Merde, il est 23h, on ne peut plus. Ah! Et bah, vous savez quoi? Là, vous savez quoi? Alors, on va se mettre là. On va faire F5. Je ne sais pas si F5 marche, donc je vais faire save game. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr que ça marche. Voilà. On va faire ça et on va se quitter sur ce magnifique vent que vous entendez dans vos oreilles. Et avec bien sûr une petite musique, parce que c'est quand même plus sympa en musique. Voilà, même pas trop fort la musique. Voilà, très bien. Non, je ne vais pas sur ma chaîne perso ce soir pour pouvoir accumuler du temps de sommeil. Voilà, puisque le début de semaine a été très compliqué. Alors, c'est quand même couché extrêmement tard ces deux derniers jours. Et donc du coup, voilà, histoire de assurer le fait que je ne sois pas comme ça la fin de semaine, hein, mais on se retrouve demain, 21h sur ma chaîne perso pour du Rainbow Six. Jeudi, parce que demain c'est mercredi. Demain mercredi, il n'y a pas de live d'après-midi, parce que le mercredi, vous le savez, il n'y en a jamais. Voilà. Par contre, jeudi après-midi, enfin journée après-midi matinée, enfin vous avez compris un peu le principe,
suivez les sociaux, Twitter et tout ça, vous avez ça là-haut là, pour savoir. Il risque très fortement d'y avoir une nouvelle fois le qui passe un petit coup. Voilà, je vous le dis, je préfère que vous soyez au courant. Merci du follow DJ Boss. Jeudi soir sur Nvidia France, on fera du XCOM 2 et ça sera une soirée un peu spéciale puisqu'il y aura des jeux à gagner. Donc si vous kiffez le jeu et que vous ne l'avez pas encore, eh bien écoutez, vous pourrez peut-être le gagner jeudi soir. Pour moi, ça sera une découverte puisque je n'ai jamais joué au XCOM. J'ai toujours voulu et à chaque fois je dis ah non. Et là du coup voilà, on tente la chance XCOM 2 direct comme ça. Merci à tous, on se retrouve demain à 21h pour du R6 sur ma chaîne. Et surtout, bonne soirée, bonne nuit.